Et bien sûr, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact pour le jour 2 de l'événement Richesse Perdue. Du coup on va aller sur la carte trésor et on va aller faire les deux autres coffres, si je peux dire ça. Bon allez, du coup maintenant on va aller au lac Tombe Étoile. Voilà, donc nous voilà arrivés. Du coup on spawn, il y a déjà un fragment déterré. Du coup on va activer le petit familier. Alors du coup nickel, on a trouvé un deuxième coffre à déterrer. Nickel. Le troisième. Hop, en plus ça doit même pas tuer, mais on va pas s'embêter à les tuer. Ah ouais, mais voilà, du coup il y a celui-ci. Ah ça, que après je suis obligé de les tuer. Bon, pour ça la chance on trouve quand même sans avoir la fée. Bon après c'est pas une chance, donc c'est pas non plus très compliqué. En vrai, tant qu'on a la zone, moi je dirais que ça suffit. Regardez, tu te balades à peu près sur les côtés et le truc il vient. Ah, c'est quoi le truc carré? Ah oui, des fois ça lèche des légumes, c'est vrai. Bon, les choux, on verra plus tard. Y'a pas un petit bout par là? On va spawn. Voilà, y'en a un là. Après, il va en rester quoi? Un à avoir? Peut-être deux à récupérer. Ok, il est là. Et puis voilà. Du coup, bah voilà, c'est parti pour aller à la deuxième destination. Les plaines Gili-Aluée. Allez. Voilà, du coup, on est dans les ruines des plaines Gili. Bien, du coup, mon petit pet, il va s'en aller. On adore. On sait pas, on va se barrer, on va pas perdre de temps. De toute façon, il va respawn quand le méchant il sera plus là. On va peut-être le tuer parce qu'il m'énerve. Allez, viens ici, toi. Voilà, ça c'est fait. Ah, c'était vraiment très compliqué, hein, dis donc. Alors, on n'a pas encore. Ah, voilà, j'allais dire qu'on n'a pas encore vu de fragments. Ça faisait un peu tard. Oh, bah, génial. Là, non, il va être au milieu du coup. Attends, mais le chat il veut déjà sortir. Attendez, il y a un fragment ici. Ok. Prends les choux. Ok, il y a un truc qui va être là, non? Par là? Là. Ok. Du coup, il y a un fragment ici. Voilà. Là, ils vont. Oh, 20! Oh, merci le fragment. Là, ils vont me rester un à avoir. Genre là. Ok, là. Nickel. Du coup, on les a tous trouvés. Du coup, ça c'est bien. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait un coffre spécial. Comment ils appellent ça? Un trésor spécial, exactement. Rendez-vous l'emplacement, une carte au trésor marquée. Peut-être un trésor enterré près du canyon de Protocolinus. Le canyon de Protocolinus. Oh, faut que je trouve où c'est. Bon, je vais trouver où c'est et je vous reprends. Voilà, nous voilà ici au canyon de Bricouronne. À l'endroit indiqué sur le plan, genre devant cette petite structure. Bah, pour le coup, j'étais alors, mais via le petit truc à la spawn, hein, c'est pile en dessous, nickel, ça s'est bien déterré. Du coup, c'est un défi. Ok, commencer le défi. Ah, mais ils nous font chier, eux. Hein. Ok, bah attends. Allez, oh. Ce mob 2 il est horrible à tuer. Oh, non. Allez, voilà, spawn devant moi, comme ça, t'as plus de bulles. Moi je déteste lui d'eau. Sa bulle elle est horrible à tuer parce qu'il n'y a pas encore de perso plantes. Et comme c'est des plantes qui vont slow, on peut pas la tuer vite sa bulle. Il n'y a pas encore de perso vraiment fort comme ça. Et c'est grave chiant. Okay. On va mettre un petit tube temps. Voilà. Du coup ça c'est fait. Quel. Allez, quand tu veux. Voilà, nickel. Et du coup, une fille terminée. Et on gagne 60 primogèmes. Bah, c'est pas mal le petit trésor. Comment il s'appelle déjà? Trésor spécial. Ok. Bah, du coup, je pense pas que ça sera le seul. Moi, je pense qu'il y aura un ou deux autres. Ça serait mieux qu'on ait encore un ou deux autres de trésors spécial. Qu'après, de toute façon, on n'a pas encore la fin. Que ça se voit que ça continue. Mais on verra. Donc, voilà. Du coup, bah, merci beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui pour ce deuxième jour. Sur Genshin Impact pour le
bah, pour le défi, pour l'événement Richesse perdue, pour avoir fait la zone 3 et 4, ainsi que le trésor spécial, ça m'aura fait plaisir. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, des demandes, ce que vous voulez. Et puis voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à lâcher le like, le pouce bleu, le commentaire, ça fait plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et ciao.